pour être très honnête avec vous, vous m'avez quand même bluffé. Mec, hein, jusqu'ici, vous nous avez encore emmené à Bercy. Une famille, on s'est encouragé. Personne. Personne n'a crié sur l'autre. Vous me faites une rangée de shorts. Chaud, les baskets en force. Regarde pourquoi on est rendu en finale, regardez bien pourquoi. On parle d'Isis, donc tout le monde pourrait se dire c'est Osiris. Donc on va cliquer sur Horus. Merde, bon, on coupera. Les gilets jaunes sont prévus pour bloquer Bourges, pour que Rouen ne se déplace pas à Paris. Voilà, je mets ma casquette à l'envers, là c'est parti là. Dans le périph, sens inverse, la visière est baissée. Au moins on a un pilote là. Là il y a un pilote, exactement, sur là vous avez un vrai pilote. Je suis très content en mode Franck, il a fait une belle performance. Ouais, moi je m'y attendais un peu. Tout d'abord il a plus d'aérodynamisme que François vu qu'il a pas de cheveux. Et après, il nous a montré ses compétences dans Cholet. On l'attend d'aller dans un grand rendez-vous. Ouais, non, ça a été assez rapide. Donc, puis on était 4 par minibus. Donc on pouvait longer nos jambes et tout, donc non, ça a été. Ouais, c'est vrai que la finale de la Coupe de France U17, c'est quelque chose que l'on fait qu'une seule fois dans sa vie. On fait partie des rares U17 de la génération 2006-2007 à pouvoir y participer. Donc ouais, petit à petit, on se rend compte de l'importance de cet événement. Ouais, c'est là, non ? Là, sur le plan collectif, juste des petits rappels par rapport à l'équipe de Rouen. Leur jeu, c'est un jeu extrêmement simple qui ressemble à un jeu de U13 ou de U15. Agressivité vers le cercle, partage du ballon, et dans les principes de base, c'est simplement des passes, coupes, équilibre, des drives et des ouvertures de passes. C'est simple mais redoutable. François, en termes d'orientation, c'était pas une référence. Là, je me perds partout. Un anti, lui. On a cru qu'il te portait disparu. Je veux dire, j'ai joué contre tous les mecs du centre, il y en a pour un kilomètre. Tous avec moi. Zitano. Oula, c'est aigu. Merde. Du coup, cette salle, elle t'inspire quoi, Ethan? C'est assez impressionnant. Donc, je suis pressé de jouer demain. Voilà. On verra demain ce que ça donne avec notre public. Chaud, les baskets en force. Some hot niggas like I'm so bitch I see when I shot niggas.
Alors dans quel état d'esprit un petit peu t'es quelques heures avant cette finale? Là il y a la pression qui monte un peu, mais on va se concentrer, on va se mettre dans notre bulle et se préparer pour le match au mieux. Appuyez sur le bon bouton. Putain, ça bloque, c'est sûr. Bah réessaye une dernière fois. Attends, bah on va passer avant. Attends, mais on va passer, on va essayer. Au pire, on monte dans votre ascenseur. On va essayer, sortez. Je crois que ça marche pas. Sortez les gars, je pense que ça marche pas. On va essayer, je sais pas pourquoi ça bug. Bah vas-y, bah attends, on va passer, on va voir. Allez, vous sortez pour voir. On va essayer. Vas-y, monte sinon. On va juste essayer pour voir si ça marche. Ça doit pas marcher, non? Bah non, ça c'est bizarre quand même. Vas-y, appuie sur le 0 pour voir. On va voir si ça marche. Dans 0. C'est lui, mais ça va. Allez, go. La valise aussi, là. C'est là. Nos qualités à son capacité de tuer cette équipe de Rouen. Nos qualités à nous, elles peuvent tuer cette équipe de Rouen. Comment? La première chose, eux, ils ont besoin de jouer sur le foot terrain. Notre objectif, je le dis et je le répète, peu importe les situations, il est de finir en priorité dans la raquette. Des tirs ouverts, vous inquiétez pas, on va en avoir. Il faut surtout pas les refuser, c'est pas ça. Mais notre priorité, c'est d'aller marquer dans leur raquette. Si on marque dans leur raquette, c'est beaucoup plus difficile pour eux de récupérer la balle et vite se projeter vers l'avant et avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du jeu tout terrain. Un contre un, surnombre, transition, drive and kick. Ça, ils l'auront si nous, on est soft et qu'on joue en périphérie. Si nous, on est hors timing parce qu'on n'a pas pris les infos. On enchaîne avec Franck. D'accord? Confiance, restez positif. Il va y avoir des hauts, des bas, on va louper des paniers, on va perdre des ballons, on va peut-être perdre des duels. Mais vous restez ensemble. Il y a un coéquipier qui se trompe, pas de soucis, on lui dit pas putain. Non, putain, on l'entend pas aujourd'hui. Allez, c'est pas grave, le prochain tu vas corriger. Et il va falloir qu'on soit dans cette optique pour avancer et gagner ce match. Ok? Pas de regrets, ils sont largement prenables, pas de regrets. Dès le début du match, 40 minutes d'intensité. Il y aura rien de facile aujourd'hui, c'est cool. Allez, gros, allez. Thank you.
Qui aurait lâché depuis un moment. Ça doit être un électrochoc. Individuellement, vous devez déjà vous remettre en question. Qu'est-ce que je peux faire pour encore plus progresser? On est parti de Carquefou. On se faisait grailler par des mini-moïs. On prenait des rebois sur nos gueules. On se retrouve ici à Bercy. Certes, on peut être triste, on peut avoir des regrets. Mais soyez fiers de nous. Les gars, on est une famille. On est une famille maintenant. 12 joueurs que t'es joué 3 minutes, qu'il y en a un qui jouait 35 minutes, qui a mis 16 points. Une famille, on s'est encouragé. Personne n'a crié sur l'autre. Personne s'est dit lui il est nul, il a pas sa place sur le terrain. Pour être très honnête avec vous, vous m'avez quand même bluffé. Vous nous avez bluffé. Parce qu'en fait, grâce à vous, grâce à votre parcours, du NEC hein, jusqu'ici. Ils nous avaient encore emmenés à Bercy. Et les années passent et on revient régulièrement. Et c'est grâce à des gens qui ont un état d'esprit comme le vôtre. Alors aujourd'hui, de mon point de vue, vous n'avez rien lâché. Vous êtes battu, mais Rouen a été un peu meilleur. L'aventure humaine qu'on a eue ensemble, ça personne ne pourra nous l'enlever. Donc rien pour ça, je vous remercie. Je suis très très fier d'avoir coaché ces équipes et d'avoir eu un staff comme ça. Donc vous pouvez aussi les applaudir les gars. Véritablement, c'est la fierté. Bravo, vous êtes battus jusqu'au bout. On n'abandonne pas. Et ça, c'est les vraies valeurs de Cholet. Donc, félicitations. Oui, ça fait mal. On n'aime pas perdre. Mais vous avez été vaillants. Bravo à vous. Bravo au staff. On est fiers de vous et je peux vous assurer qu'on a plein de messages. Tout le monde était derrière vous. Bravo, félicitations. Allez, go. 1, 2, 3. Ensemble. Vous me faites une rangée de shorts, une rangée.